Voilà, par ici, voilà. Monsieur Hollande. Mais non, la caméra. Non. Delphine, rapproche-toi. Avec soupette. Ah, soupette. Merci. Monsieur Lang, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. C'est caché. Merci. Grâce. Disons, ne pas laisser François Mitterrand être le seul président socialiste de la 5e République. Donc, renouer le fil, amorcer au mon tour le combat qui doit permettre à un autre socialiste de devenir le prochain président de la République. Garder les principes et en même temps comprendre que la France de 2012 est plus celle de 1981, plus celle de 1988, mais qu'en même temps, il y a un certain nombre de valeurs qui prévalent, il y a un certain nombre de conceptions qui doivent prévaloir. Et donc, mon rôle, ma responsabilité, c'est d'entendre le message de François Mitterrand et en même temps de le renouveler pour relever le défi qui nous attend. Garder cette inspiration. Qui vous inspire beaucoup? Est-ce que c'est un modèle de campagne de 1983? Il y a des analogies entre 2012 et 1981. Il y avait déjà Scream. Il y avait aussi une attente très forte d'un changement, d'une alternance. Dans les situations sont différentes. Il y a des défis à relever qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en même temps, ce sont les mêmes valeurs, les mêmes principes qui doivent conduire avec des propositions nouvelles pour le pays. Donc chacun doit être à sa place, dans son rôle, dans sa responsabilité. Moi, je suis là pour répéter, pour reproduire, pour comprendre. Effectivement, François Mitterrand nous permet, à la fois par la maîtrise du temps, qui était la sienne, par la volonté politique qu'il exprimait, par ce rapport intime, personnel à la France, d'avoir sûrement là une bonne référence pour conduire ce combat qu'il a. Ok. En principe, maintenant, je ne fais pas ça. Non, ce n'est pas de rétruquer, de reproduire. Chacun doit avoir son autorité. Monsieur le maire, cher Jérôme, Madame la Présidente, chère Georgette, Mesdames, Messieurs les parlementaires, élus, amis, qui vous êtes rassemblés ici en cette date, qui rappelle à la fois une disparition, mais aussi une personnalité exceptionnelle. Nous sommes venus, dans cet hiver charentais si doux, pour rendre hommage à François Mitterrand. 16 ans après sa mort, 31 ans après la victoire du 10 mai, sont rassemblés ici sa famille, Gilbert,
Mazarine. Ses amis autour de l'Institut François Mitterrand avec Hubert Védrine, ses proches, ses anciens ministres, ses collaborateurs, ceux qui l'ont connu, approché, admiré, servi ou tout simplement soutenu dans tous les combats qui ont été les siens. Mais sont là aussi d'autres plus jeunes qui l'ont découvert par les images, par les livres d'histoire ou par le cheminement de leur propre engagement politique. Dans le long parcours de François Mitterrand, dans ce qu'il a insufflé dans la trame de nos vies, ou ce qu'il a laissé comme trace dans l'histoire de notre pays, il y a ce que certains retiennent, que d'autres oublient. Il y a l'opposant tenace, celui qui ne cède rien, qui regarde comme en 1965 la gloire en face et qui se veut le tenant de la liberté. Il y a le dirigeant clairvoyant, le rassembleur de la gauche. Il y a le chef d'État respecté, ici et ailleurs. Il y a l'Européen volontaire. Et puis il y a l'homme de culture, celui qui aime la littérature, les œuvres, et qui s'en inspire pour son action. Chacun a son idée de François Mitterrand, ce qui tombe bien puisque François Mitterrand était lui-même multiple. En 2012, cette cérémonie revêt une symbolique particulière. Elle ne vous a pas échappé. Et pour ce qui me concerne, comme candidat à l'élection présidentielle, François Mitterrand demeure le seul président socialiste de la Ve République. Et je ne veux pas le laisser dans cette situation. François Mitterrand demeure en effet celui qui a été capable non seulement de conquérir, mais de durer. Il est le président de la Ve République qui a eu le plus long mandat, 14 ans. Et je veux chercher avec vous ce qui, dans sa personnalité, dans sa conception de l'action publique, dans son rapport aux Français, peut servir de référence aujourd'hui au combat que j'engage dans un autre contexte pour ouvrir à mon tour une nouvelle alternance, une nouvelle espérance. Il y a d'abord chez François Mitterrand la maîtrise du temps, garder la liberté de sa vie, résister à la pression des humeurs, des modes, des habitudes, respecter les rites, mais aussi les rythmes, choisir ses moments, ralentir pour mieux accélérer, faire la césure entre les temps. Il aimait répéter qu'en gravissant chaque année, au début de l'été, la roche de Solutré, il mesurait ce qui ne bouge pas. Il embrassait le passé pour mieux appréhender le futur. Il était convaincu que la politique consiste à saisir les occasions, à franchir le présent pour porter l'avenir, bref, à avancer. L'histoire de notre pays ne progresse ni par la brutalité, qui est stérile, on le voit bien, ni par la résignation, qui est mortifère, mais par le mouvement. Et en choisissant la gauche, car il n'était pas né
de ce côté-là, même s'il est né à Jarnac. En choisissant la gauche, il s'était tourné vers le parti du mouvement. Il écrivait au début des années 70 ce qui était en définitive sa philosophie. L'eau croupit si elle ne coule pas. Le muscle sent qu'il ose s'il ne bouge pas. L'intelligence s'use si elle ne s'exerce pas. Tout est mouvement. Et nous devons être le mouvement. François Mitterrand était un marcheur. Il avançait à sa façon toute particulière. Son itinéraire surprenait. Parfois, il prenait des raccourcis inattendus. Parfois, il empruntait de longs détours. Mais il ne se perdait jamais, car il ne quittait jamais la ligne d'horizon. C'est ce qui expliquait qu'il était suivi. Il savait ce qu'il voulait et chacun comprenait le but qu'il avait fixé. Ce but n'a pas changé. C'est l'alternance, c'est le pouvoir, c'est la transformation de notre pays. Il était tenace et souvent il rappelait qu'il tenait bon. Rendez-vous compte, 23 ans d'attente, nous serons plus pressés. Je l'espère. 23 ans d'attente où le doute se dispute avec l'impatience. Et il répondait avec fierté à la droite, qui croit toujours être propriétaire de l'État. Il la toisait et il lui disait ces mots simples. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Nous nous tenons devant vous, tranquillement, dignement, et le moment venu, la France fera le choix qu'elle juge le plus compatible avec le sens qu'elle a de sa propre destinée. Ces mots valent encore pour aujourd'hui. C'est une autre leçon que je retiens de François Mitterrand. La volonté. La volonté politique. Elle n'ignore pas les réalités, mais elle ne plie pas devant les règles supposées de la fatalité. L'économie a des lois, mais des lois peuvent aussi changer l'économie. C'est la volonté politique qui fait entrer un peuple dans la modernité. C'est le risque pris par des responsables politiques courageux qui permet à un pays d'effectuer le pas décisif. Celui dont on se demande une fois qu'il a été accompli, comment il a été possible de mettre autant de temps avant de le franchir. Je pense notamment aux lois de décentralisation, à la liberté donnée à l'audiovisuel. Et puis, comment ne pas aussi penser à l'abolition de la peine de mort. Et pour demain, je pense au droit de vote des étrangers aux élections locales, au droit pour tous les couples de se marier, au droit de mourir dans la dignité. Là aussi, il y faudra du courage. Je ne sais si l'idée de ces droits est populaire ou impopulaire, mais je sais que là réside l'avenir de la société. Je redis à l'exemple de François Mitterrand que ce que nous croyons juste, nous le ferons, et nous saurons en toutes circonstances préférer le progrès de civilisation à la pesanteur des peurs. La dernière leçon que je retiens de François Mitterrand, c'est le rapport à la France. Mitterrand a réconcilié la nation avec elle-même. Il a rassemblé un peuple divisé et qui parfois aime à se séparer. D'abord parce qu'il a conduit à la victoire cette moitié de la France, si longtemps ignorée, humiliée, recluse aux marges du pouvoir par son propre pays. 1981 était indispensable à l'unité de la nation.
Mais il a aussi réuni la France au-delà de l'alternance en gouvernant. Pendant ces deux septennats, il aura constamment veillé à fixer des repères, à rappeler des valeurs communes, à donner un cap auquel tous les Français pouvaient s'identifier. Et s'il y a un vœu que je veux partager avec vous en ce début d'année, c'est que la France retrouve ce sens d'un destin commun, qu'elle sache rompre avec cette logique destructrice qui consiste à diviser, à fragmenter, à morceler, à dresser les Français les uns contre les autres, en fonction de génération, de religion, d'origine ou de situation sociale. La France, elle est à tous ceux qui l'aiment. Ce qui nous réunit est plus puissant que ce qui nous distingue. Ne l'oublions pas, même au moment où nous engageons une campagne électorale qui va forcément nous confronter à d'autres. J'ai le sentiment que je ne vais pas être le seul dans la campagne présidentielle, même si certains ne se déclarent pas. Et donc il y aura forcément des oppositions, des tumultes, des contradictions. Eh bien, malgré tout ce qui nous sera dit, ou tout ce que nous pourrons dire, il faudra bien réunir à la fin. Entendons d'ailleurs ce que François Mitterrand écrivait lui-même en avril 1974, au plus dur du face-à-face entre la droite et la gauche. Cette France, disait-il ainsi, partagée, comme il faudra s'occuper d'elle. Et je le redis après lui, cette France si divisée, comme il faudra s'occuper d'elle, la considérer, la respecter, y compris, et je le dis presque surtout, celles et ceux pas trop nombreux qui n'auront pas voté pour nous. Nous touchons là à la clé des victoires de François Mitterrand, au cœur de son secret. Et je vous le confie, ne l'ébruitez pas. Rien ni personne ne le saura, ce secret. Et quand bien même, s'il était partagé, s'il pouvait convaincre, ce serait finalement le meilleur service que l'on pourrait rendre. Quel est ce secret ? François Mitterrand aimait la France. Il avait pour elle la passion d'un homme habité par sa littérature, par sa langue, par son histoire, par sa géographie, par l'extraordinaire diversité du peuple français. Il était de ceux qui vibraient au récit du Sacre de Reims comme à celui de la fête de la Fédération. Il avait coutume de prétendre qu'il n'avait pas besoin d'avoir de la France une certaine idée, puisqu'il la vivait physiquement, concrètement, à travers de ses paysages, de ses maisons, comme celle de Jarnac, de ses villes, de ses villages et de ses habitants. Il avait l'ambition de vouloir continuer la France. Ce doit être aussi la nôtre, de poursuivre le récit. Il avait, bien sûr, pour la France, un de ces amours que l'on a si ardemment que l'on a grande pudeur à l'exprimer devant les autres. C'est une force intérieure, une forme de relation qui n'appartient qu'à ceux ou celles qui ont décidé de servir la France. Alors, François Mitterrand avait de l'habileté. Certains en ont été victimes. Il avait aussi le sens du calcul politique. Il faut en avoir. Il savait faire les compromis. Je n'ose dire les synthèses. Il avait été chef de parti. Mais ce qu'il faisait et qui pouvait prendre parfois des sinuosités, était en définitive rectiligne.
parce qu'il servait une cause qui était bien plus grande que sa propre réussite. Il ne cherchait pas la captation du pouvoir pour lui-même, mais la poursuite du récit de la France, j'allais dire du rêve français, de celui que de génération en génération nous levons pour donner promesse d'un avenir meilleur. C'est ainsi que François Mitterrand, pour l'évocation de son rapport au temps, pour ce rapport aussi au mouvement, à sa volonté politique, à son amour de la France, c'est par cette évocation que François Mitterrand, 16 ans après sa mort, peut encore rendre service à son pays, à sa famille politique, aux candidats qu'elle a choisis par les primaires. Il nous rappelle tout simplement que toute victoire est un combat, que toute lutte est une épreuve et qu'il y faut une force d'âme et le soutien de tant et tant d'anonymes, que toute aventure collective est une passion. Il faut être porté, porté par une grande idée, porté par un peuple, porté par tous ces messages de confiance. Et je garde pour terminer une phrase de François Mitterrand. Elle m'inspire aujourd'hui. Elle a été prononcée quelques jours avant le 10 mai 1981. Mes amis, disait-il, mon dernier mot sera pour dire qu'une vie tout entière rencontre une lumière et qu'il s'agira maintenant, après-demain, un peu plus tard, d'en rester digne. Eh bien, c'est cette lumière-là qui m'éclaire aujourd'hui, en 2012, pour accomplir le destin qui doit nous attendre, une victoire pour la France qui fera que François Mitterrand, si les électeurs en décident, aura un successeur socialiste.